Hey, salut à vous, chers amis traders. Bienvenue, c'est Yann avec vous pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, on y est. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je vous explique, on est vendredi 7 ou 8. Peu importe, c'est pas la date qui compte. Ce qui compte, c'est l'événement qui va se passer. Là, j'ai rendez-vous avec le maire du département du 93. Vous voyez ? Donc là, on a la mairie. Et là, on a la fameuse basilique de Saint-Denis, hein, les amis. La fameuse basilique de Saint-Denis. Très beau monument. Bon, bref, c'est bien beau tout ça, les monuments, les pâquerettes, les bouclettes, mais bon, c'est pas ce qui nous rend rentable, les amis, n'est-ce pas? Bon, allez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rendez-vous avec le maire. Tout simplement pour présenter un projet d'accompagnement des familles ou des personnes qui sont en difficulté, qui veulent augmenter leur fin de mois. Ah, ça ressemble à du trading, tout ça. Mais pas réellement. On va pas leur présenter du trading, on va leur présenter un système qui leur permet de gagner de l'argent en automatique, sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Et ce système passe effectivement par un système d'affiliation, par la bourse, le trading, etc. Et vous, les amis, justement, c'est pour ça que vous regardez cette chaîne. C'est pour être rentable. Et il y a différentes manières d'être rentable aujourd'hui, sans en tradant personnellement. Donc pour ça, vous avez la playlist Golden. Mais je vous ai pas tout mis dans la playlist Golden, justement. Je voulais pas jouer toutes mes cartes tout de suite, les amis. Encore une fois, je vous donne tout gratuitement, je vous fais rien payer. Alors, dans la playlist Golden, on va voir surtout des vidéos donc parlant des indicateurs, donc comment utiliser ces indicateurs, etc. Et comment les mettre en place, comment les utiliser. Ok, très bien. Mais le plus gros du truc, imaginons que vous puissiez gagner de l'argent, que vous puissiez faire 10% de votre capital par mois ou par semaine, ça dépend comment on gère les choses, sans que vous ayez besoin de vous asseoir devant votre graphique, sans que vous ayez besoin de faire des choix, sans que vous ayez besoin de stresser parce que vous n'êtes pas sûr de vos choix. Et même pendant que vous êtes aux toilettes, les amis, pendant que vous êtes en train de dormir, imaginez-vous faire 10% de votre capital. Je ne vous dis pas ça pour vous faire rêver, je ne suis pas là pour faire rêver les gens. Encore une fois j'avais fait une vidéo où j'expliquais aux les personnes qui cherchent un petit bouton magique qu'on appuie en dessous et puis l'argent qui coule à flux, ils pouvaient arrêter le visionnage et partir chercher ailleurs. Ben, ce bouton magique là, je suis en train de le mettre en place, les amis. Ce fameux bouton magique, je suis en train de vous le mettre en place. Et vous allez voir, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, j'ai un outil qui me permet de faire 10% en moyenne par jour, entre 7 et 10% par jour, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Après, bon, je vais répondre à une question que j'ai reçue. J'ai reçu un message qui me disait, mais Yann, si tu fais du fric comme ça en trading, pourquoi tu es encore en France? Pourquoi tu ne te barres pas? Parce que je ne suis pas égoïste. Je l'ai fait un moment lorsque j'ai créé mon agence de web marketing. Avant que je me lance dans le trading, j'ai créé mon agence de web marketing. Effectivement, je me suis barré de France. Question de fiscalité. Attendez, pas comme toujours. Question de fiscalité, notamment. Question aussi de meilleure vie. J'avais une meilleure vie à l'étranger. Je suis parti au Maroc. Hein. Pour vous dire, hein, au Maroc, j'étais bien. C'est-à-dire que j'avais mes clients qui étaient principalement canadiens. J'avais besoin de connexion, j'avais loué une super villa, donc entièrement vitrée avec 2 étages, j'en avais fait un bureau. Pour vous dire, donc niveau de vie excellent. Puis je suis revenu en France parce que j'ai eu des problèmes, soucis financiers, bref, on s'est cassé la gueule sur un point. Bon bref, beaucoup de problèmes par la suite, donc il fallait que je revienne ici, beaucoup de galères, etc. etc. Et j'ai pas abandonné, j'ai failli repartir en tant que salarié, j'ai failli abandonner mes projets. Et puis je me suis rappelé, vous savez, il y a une image qui tourne sur Facebook. Sur les réseaux sociaux où on a 2 personnes qui sont en train de creuser avec une pioche et puis on a le premier, donc celui qui est tout en bois qui abandonne alors que c'est lourd et continue juste quelques centimètres pour retrouver un gros diamant, et l'image d'au-dessus c'est un mec qui arrive tout frais, encore plein d'énergie, qui arrive et qui continue à piocher après lui, donc lui forcément trouvera le diamant. Vous savez, ben, c'est un peu ça. Et là en fait je suis en train de dépasser donc mes peurs, je suis en train de dépasser donc tout ce qui aurait pu me freiner, donc psychologiquement c'est aussi un travail sur moi, et je suis en train d'aller chercher ce diamant. Et pour ça, ben, ça passe aussi par ce qu'on peut apporter aux autres. On ne peut pas aller chercher nos diamants, on ne peut pas prendre nos diamants si on n'apporte rien au monde, si on n'apporte rien aux autres. Et je me posais encore la question la semaine dernière, et il y a encore 2 semaines, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce monde? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter un service, un réel service? Pas juste répondre à un problème ou créer un problème pour venir apporter la solution, comme nous font la plupart des marketeurs ou tous les publicitaires, etc. Ils nous créent le problème pour penser pouvoir nous vendre la solution. Ça ressemble d'ailleurs aussi étrangement aux pratiques de Sanofi. Je dis ça, je dis rien. Et je me disais, donc j'étais comme ça, j'étais dans mon lit, j'avais fumé un joint en plus, et je me disais, mais comment, je n'aurais même pas dire ça dans les vidéos, mais ouais, je fume des joints le soir quand j'ai fini ma journée, alors je bois pas d'alcool, je vais pas au but, je vais pas au bar, je vais pas dans les boîtes, je n'aime tout ça. Tout ce que j'aime, moi, tout ce que j'apprécie, c'est mon petit joint le soir une fois que j'ai fini ma journée. Ok. Et je me disais donc, mais comment je peux apporter quelque chose au monde? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et tout de suite, en fait, si vous voulez, donc le karma a commencé à travailler, le subconscient commence à travailler, et le matin, j'ai eu ma réponse en me levant.
Ben, tout simplement en proposant aux gens donc, le système que j'applique pour moi au final, qui me permet aujourd'hui donc, d'avoir du temps pour pouvoir réfléchir à des business, que j'ai du temps pour pouvoir aller voir mon fils, que j'ai du temps pour moi. Donc je me dis, mais Yann, tu l'as en fait ta réponse, comment tu peux aider les gens? Tu vas pas aller te barrer parce que je comptais me barrer de France. Non, tu vas pas te barrer de nouveau, tu vas rester en France. Il y a des gens qui sont en galère, il y a des gens, il y a des familles nombreuses qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'un système en automatique et qui aimeraient bien. Donc ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste et va apporter ce savoir, va le donner aux autres gratuitement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les amis, là, j'ai rendez-vous là à la mairie là dans une petite demi-heure avec le maire. Je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher. Comme un pitbull, je vais le prendre à la gorge et je ne vais pas le lâcher parce qu'ils ont pas mal de salles ici. Ils ont pas mal de salles pour des conférences, des salles informatiques. Il y a énormément de monde dans le besoin ici. Donc je vais le voir. Je ne sais pas encore. Je vous jure, j'ai rien préparé, les amis. J'ai rien préparé. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va sortir de ma bouche. Mais la finalité de ce rendez-vous, il faut qu'il accepte de me donner une salle pour pouvoir faire des conférences et donc pouvoir discuter et apporter cette solution. Et je pense que lui-même, le maire aujourd'hui, comme c'est bientôt les élections, il sera un petit peu sceptique par rapport à ce que je vais lui dire. Donc je vais lui montrer mes comptes de trading, je vais lui donner ce système, je vais lui mettre en place ce système pour lui, à le tester pendant une semaine ou deux semaines. Et en fonction des résultats qu'il a, on fera un accord ou pas. Mais je pense que ça sera la bonne stratégie. Et donc le but, les amis, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que dans la vidéo suivante, je vais vous donner ce système et je vais vous apprendre à vous aussi à profiter d'un système qui vous permet de faire entre 8 et 10% par semaine, des fois par jour, plus de 30% par mois, entre 30 et 60% par mois de votre capital et en automatique sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de trader, vous n'avez pas besoin de faire d'analyse graphique, pas besoin de faire d'analyse sectorielle, pas besoin de faire d'analyse de tendance, pas besoin de se crisper, de prendre des risques ou quoi que ce soit. Il y a un robot. Non, je voulais pas le dire. Bon, allez, je l'ai dit. On a un système qui passe par un robot trader, d'accord? Je vais vous le présenter par la suite. Et puis, on a un système qui passe par des traders qui tradent à votre place, en fait, sur votre compte. Mais ça passe par un autre organisme. C'est pas le mien. Donc, je suis en train de créer un accord avec cette boîte. Et je vais vous le donner, les amis. Je vais vous le donner, ce petit secret. Et je veux plus qu'en fait, je veux que vous soyez rentable. Franchement, mais je vais le dire clairement, on s'en bat les couilles du titre « Ouais, je suis trader ». Moi, je m'en bats les couilles d'avoir le titre de trader. C'est pas ça qui m'importe d'être le meilleur trader de tous les temps. Moi, ce qui m'importe, c'est… Putain, si l'argent ne fait pas le bonheur, le manque d'argent, lui, nuit au bonheur. D'accord? Et je pense que ça, c'est très important. Si l'argent, lui, ne fait pas le bonheur, le manque d'argent, lui, nuit au bonheur. D'accord? Et s'il y a une chose aujourd'hui, j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter de la vie, d'accord? On n'est pas né, putain, on n'est pas venu sur cette terre pour travailler 8 heures par jour, mais trop boulot de dos, d'accord? Ça, ce système de vie, on le vit que depuis un siècle, d'accord? C'est tout récent. Moi, je veux vivre, d'accord? Je veux pas survivre. Et pour ça, il faut que j'ai l'esprit libre par rapport à mon portefeuille, d'accord? Si je veux profiter du temps, si je veux profiter des gens que j'aime, si je veux profiter pour apporter des solutions aux gens, si je veux profiter du temps que j'ai pour aider les autres, mais il ne faut pas que mon esprit soit pris par cette histoire de fric. Donc si je peux avoir un système en automatique qui me fait gonfler mon portefeuille, mais bam, direct je prends. Vous comprenez les amis, direct on prend. On n'est pas là. Ceux qui cherchent un titre, juste histoire de se faire gonfler les coyones, allez-y, vous pouvez devenir trader et vous la pétez. Ouais, je suis trader, je traite. Mais vous allez cumuler des pertes aussi. D'accord, ça devient de plus en plus compliqué de trader. Je répète, aujourd'hui les robots prennent la place sur les humains. Et maintenant, il faut se mettre à la page. Est-ce qu'on continue à se faire gonfler les coyones en se disant je suis trader, ou on essaye de prendre un système qui marche pour les autres, on l'applique dans notre business tout simplement, les amis? Moi, je vous pose la question. Alors écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes oui, pour ou contre ce genre de système. Est-ce que, dites-moi oui si vous êtes pour ce système, un système automatique, les robots, vous voulez que je vous présente tous ces systèmes-là, répondez-moi oui. Si vous êtes contre ce système-là, répondez-moi non. Et je ferai mes vidéos en fonction de vos réponses, les amis. Personnellement, je répète, ce système, je l'applique pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de le faire partager aux autres. Je le répète, c'est pour ça que, pour les nouveaux qui viennent rejoindre la vidéo, là, c'est pour ça que je suis ici, dans le 93. J'ai rendez-vous avec le maire dans moins de 10 minutes. Je suis encore en train de faire cette vidéo avec vous, les amis. Donc, dites-moi si vous ou non, vous êtes pour ce genre de système. Et l'idée, donc, que j'ai, c'est de proposer donc, ce système que j'utilise pour moi, que j'ai installé pour mes amis. L'idée, c'est de le proposer, vraiment faire des conférences et de le proposer aux familles nombreuses ici dans le 93 à Saint-Denis. Il y a des pères de famille qui travaillent 45 heures par semaine, qui n'ont pas le temps de jouer avec leurs enfants, qui n'ont pas le temps de faire l'amour à leur femme. Sauf que trop bourré, le gars. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont besoin. Alors si on peut venir leur apporter une solution avec un capital de 500 euros, leur promettant une moyenne entre 30 et 50 euros par jour sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit, mais c'est toute la famille qui est contente. Non seulement les enfants, ils vont pouvoir aller en vacances à la fin de l'année. Non seulement ceux qui travaillent, qui sont salariés, ils auront l'esprit tranquille, ou qu'ils seront plus productifs dans leur travail.
Ok, ça aussi c'est important. Une fois que tu as l'esprit tranquille, les amis, une fois que tu as l'esprit tranquille, eh ben, tu es plus productif. Quand tu n'as pas l'esprit qui est pris par ton salaire à la fin de mois, qu'au final tu ne vois que deux jours ton salaire parce que tu dois payer toutes tes charges, et que finalement ton salaire au bout de deux jours il te dit je te quitte. Ok, une fois que vous avez plus ce problème là, une fois que vous savez que vous avez des entrées d'argent, vous êtes serein, vous êtes pérenne, et là vous avez en fait votre imagination se libère, vous devenez créatif. Et le monde aujourd'hui a besoin de créatifs. L'ère industrielle est finie. Aujourd'hui, on est passé à l'ère de l'information. L'ère informatique, l'ère de l'information. Jamais l'information n'a autant circulé, et même en termes de quantité aussi. Quantitativement, l'information, il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles qu'à cette époque. On est à l'ère de l'information. On n'est plus à l'ère industrielle. Le monde n'a plus besoin de petits esclaves dans les usines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été à l'école. Hein. C'est pour nous apprendre à lever le doigt, pour être complètement disciplinés dans les usines. On n'a plus besoin de ça. Le monde a besoin de créativité. Le monde a besoin de gens créatifs qui changent la donne, qui changent les choses. Le monde a besoin de personnes créatif, des gens qui vont faire changer ce vieux monde. D'accord, on a besoin de vous. Et une des manières d'y arriver, et ben déjà, c'est de plus avoir l'esprit pris et coincé par sa situation financière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le rôle que j'ai, c'est d'apporter cette légèreté dans l'esprit des gens par rapport à leur situation financière. Et je veux que les gens soient créatifs. Aujourd'hui, le but de ma démarche, c'est permettre aux gens, leur donner plus de temps, qu'ils aient plus d'argent et qu'ils soient plus créatifs finalement pour créer ce dont ce monde a besoin pour changer. D'accord ? Je ne sais pas si vous regardez un petit peu ce qu'il fait, mais il y a la ville Neom, la ville du futur qui est en train de se créer en Arabie Saoudite. C'est un truc de dingue. Ils ne sont pas pour l'écologie, ils ne sont pas pour les animaux. En gros, ils sont en bataille avec. Hein. Ils sont en train de créer une ville complètement robotique. Mais je veux dire, moi j'ai envie qu'il y ait des gens intelligents pour qu'ils créent ce genre de choses, mais humain, on va dire, des vies plus humaines, vous voyez ce que je veux dire, enfin bref, il y a tellement de choses à faire et le monde a besoin de gens créatifs. Bon, sur ce les amis, je vais y aller parce que le maire il va pas m'attendre, souhaitez-moi bonne chance, mais je pense que quand vous regarderez cette vidéo, ben, mon rendez-vous sera passé. Le seul truc que je me mets dans la poche, je me dis que c'est bientôt les élections communales et que le maire de cette ville ne sera pas contre de rehausser un petit peu le pouvoir d'achat des femmes. Sur ce les amis, cher ami trader, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, c'était là.